Alain is etnopsycholoog en begeleidt getraumatiseerde vluchtelingen voor de VZW Solentra. Hij zag zelf verschrikkelijke dingen in Congo, dus begrijpt als geen ander wat oorlog met een mens kan doen. C'était en 1999-2000, plus précisément à Goma. Ceux qui connaissent la guerre, ils savent de quoi je parle. J'ai vu un conteneur exploser. Mais ces conteneurs avaient des gens. Je suis Alain Landou, je suis ethnopsychologue. Maintenant, je travaille comme consultant à Solentra. Nous faisons la prise en charge des immigrés qui ont des problèmes sur le plan psychologique, sociologique. Il y a vraiment au cas par cas, hein, ceux qui ont connu des catastrophes, ceux qui ont connu des affres des guerres, ceux qui ont connu de problèmes de maltraitance, des enlèvements, des kidnappings. La famille de M. X a été tuée et lui, il a eu la chance de pouvoir en échapper. Merci d'être là. Moi, je suis content de te revoir aujourd'hui. Il est en mode automatique. Jusqu'au moment où il va se retrouver à un endroit où il s'est dit, il se repose, le traumatisme se déclenche. L'immigration en soi est une psychose. Souvent, je dis aux patients, nous ressemblons à des bouteilles et à l'intérieur de ces bouteilles, il y a tant d'événements que nous avons vécu. Cette bouteille ici a quitté son milieu de fabrication, son milieu origine, pour arriver en Belgique. La pluie de la Belgique, l'école de la Belgique, la langue, tous ces événements peuvent faire pression à la bouteille, sans noter le statut. Regardez, quand la bouteille s'éclate, ça reçoit des fissures, tout peut être déversé. Pour éviter que cette bouteille éclate, qu'est-ce que nous faisons dans la thérapie? On va dans le travail corporel. Par la respiration, par les différentes approches, petit à petit, nous allons ouvrir cette bouteille. Regardez, nous ouvrons la bouteille. Petit à petit, nous commençons à faire sortir des choses. Reste dans ton corps. Reste dans ton corps. Ma bouteille à moi a aussi, évidemment, ses mécanismes de défense. C'est à vous de savoir faire du recul par rapport au travail. Quand on fait ce genre de travail, si on n'a pas un rituel, c'est néfaste. Mon rituel à moi, quittant la salle, je mets du parfum sur mes mains. J'essaie de me parfumer. Et là, je dis, je sors. Ce qui signifie pour moi, tout ce que j'ai fait comme travail est resté dans la salle.